Et bonsoir. Putain, j'ai oublié de changer les infos. Bonjour, allô? C'est qui? Faut que je le fasse. Merde. Coucou. Salut tout. Ah! Merci. Oh, quelle surprise, Vorpal. Quelle surprise. Un raid. Oh là, je suis étonné, mais je suis content. Par contre, je vais pas faire de Isaac, je vais faire du Monkey Island. J'ai oublié de changer le titre du stream. Je suis mauvais. Je suis mauvais. Non, mais je suis pas un vrai, je suis pas un vrai streamer. Donc voilà. Désolé pour ceux qui venaient pour pour du Isaac. Ça va être du Monkey Island en fait. Voilà. Mais ce qui est mieux en fait, c'est beaucoup plus drôle et tout, je m'énerve pas. Donc bonsoir à tous les gens qui arrivent. Salut Sacribal. Et voilà, je t'ai vu officier un petit peu sur le. Enfin, arriver juste à la fin du stream d'avoir pas, il me semble. Non, t'as follow à la fin du stream. Donc voilà. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par présenter des excuses. J'ai fait du code avant de prendre le live ce soir et j'ai pété la barre de j'ai pété la barre d'alerte, enfin la barre de statut en bas. J'ai probablement pété les alertes aussi. Je pense que les deux sont en vrac. Donc faut que je règle tout ça. Donc ce soir, voilà, j'ai zéro follower. Donc voilà, n'hésitez pas à ajouter un petit follow ou deux, j'en ai zéro. Non, j'ai chié, voilà. Ne jamais faire de mise en prod un vendredi, ça je le sais. Mais ne jamais modifier des trucs à votre code avant de passer en live. C'est une très mauvaise idée. Pourtant, j'avais un bug que j'ai réussi à résoudre. Mais après, voilà, j'ai fait le con. Pendant que j'y suis, hop, je vais lancer le jeu. Donc voilà, donc non non ce soir du Monkey Island. On se marre bien, franchement très très bon jeu, très drôle. Les énigmes, pour l'instant je me démerde assez bien, j'ai pas eu trop trop de soucis. Putain, il y a la musique qui vient de me péter dans les oreilles. Donc c'est chouette quoi. Je crois qu'on est à plus de la moitié du jeu là, de ce que j'avais vu dans la sauvegarde. Donc on va continuer et puis voilà. Pas trop trop de choses d'autres à raconter. C'est tout. C'est beau, les oiseaux chantent, je suis content. Non, ils chantent plus, il est trop tard. Allez hop, on part sur le jeu. Hop. Ah, cette musique, c'est à chaque fois, hein. À chaque fois, cette musique est vraiment génial quoi, c'est c'est juste ouf. Alors j'en suis où? 67%. Oh là là. Ah, si on avance bien aujourd'hui, il y a peut-être moyen qu'on le finisse finalement. Alors les premiers pourcents ont été vachement plus compliqués. Je sais que il y a eu un gros gap et sur la dernière session là, j'ai vraiment bien avancé. Donc bah on y va. Hop. Donc là, on vient de récupérer quoi? On vient de récupérer la clé pour ouvrir la tête de singe. Voilà, c'est les cannibales qui l'avaient. Et on vient de récupérer ça. Donc on va aller pouvoir. C'est bizarre dans ma poche qu'il y ait ça. Mais bon, on va aller. Ah, merci Sacribal pour le follow. Eh ben les alertes fonctionnent. Les alertes fonctionnent du coup. Regardez la clé de la tête de singe. C'est un coton-tige. Ah bah merci Wada. Merci pour le test du coup. C'est cool. Enfin, ça me fait plaisir que tu follow. Pas que pour le test, mais bon, je suis content de voir que au moins ça s'est pas pété. J'ai pas tout cassé. Non, je pense savoir d'où ça vient. J'ai fait une modif vraiment sur la fin, sur le code. Et je pense savoir d'où ça vient. Je vais pas mettre trop trop longtemps à régler le problème. Ah bah oui, voilà. C'est un putain de coton-tige. Oh là là. Oh mais je
je commence à voir un peu comment fonctionne le jeu. Et est-ce que pour ouvrir le truc, ça va pas être de lui nettoyer les oreilles, quoi? Je suis en train de sérieusement de me poser la question. On va nettoyer les oreilles du singe. Si on a un coton-tige. Je vois pas autre chose. Hein. Allez hop, on va à la clairière. Il y a toujours les vautours qui sont autour de moi. Hein. Ah, il y a notre copain le singe jauné qui est toujours là. Ah, mais ça. Marcher vers oreilles de singe géante. Vous voyez? Vous voyez? Il y a les oreilles. The second largest ear I've ever seen. And also the dirtiest. Ugh. Oh. Alors, il a les oreilles sales et moi j'ai un gros coton-tige. Eh, vous avez vu ça? Oh. Oh. Mais c'était crade. Ça vous fait pas ça, vous? Quand vous nettoyez les oreilles. Alors, attention. Il ne faut pas se mettre de coton-tige dans les oreilles, les enfants. Ça repousse tout dans le fond. Et c'est pire que mieux. Mais, cette petite sensation quand on s'enfonce un coton-tige dans l'oreille, là, c'est quand même pas dégueu. Hein. Faut pas le faire. Hein. je répète, il ne faut pas le faire. Mais n'empêche que la sensation, moi je trouve la sensation très agréable. Faut pas aller taper le tympan non plus, hein. Déconnez pas. I had a feeling that in hell there would be mushrooms. Le coin a pas l'air super sympathique quand même, hein. Je sais pas qu'est-ce que c'est que vous en pensez, mais. A l'air super sympa quoi. Mais qu'est-ce que. Il y a un gros nez. Il y a quoi? Rien ici? Non. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Gross. Est-ce que je peux lui mettre le coton-tige dedans? Je vais voir. Je vais vouloir mettre. Le... Ouais. C'est-à-dire, je vais commencer à vouloir mettre le coton-tige partout, moi, hein, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce bord? Mais c'est dégueulasse! Yuck! Mais tout est dégueulasse ici! Un cœur, des têtes, mais c'est. Mais je suis tombé où? Creepy! Oh là non non non. Ah non non non. Ok. Bon, on va aller voir les têtes. Hellish. Quoi? Ugh, I hate mushrooms. I'd rather not touch it. Ok, il veut rien toucher, super. Hein? Sickening. C'est pas le même truc là?
Putain, merde. I'd rather not touch it. Mais oui, il y a tout qui change. Disgusting. Oh, c'est le bordel. Ok, il va toucher à rien. Non, j'ai cliqué à côté. Mais non, on revient au pif là. I can't reach it. Ooh, how nauseating. I think I'm gonna be sick if I have to look at much more of this kind of stuff. J'ai quand même l'impression que je suis perdu, hein. Oh, ça c'est tout le dé... ça c'est le tout début ça. Oh là là, mais qu'est-ce donc que ce merdier? J'ai encore cliqué à côté. Allez, on va faire la technique du je vais tout le temps à droite. Ça marche forcément. Merde. Non mais y a un pattern mais je l'ai pas. When you set sail for good value, all winds blow towards stands. Warning. Contains strong magnet which may interfere with other navigational equipment. Est-ce que je pourrais... Ouais, ok. La longue vue me sert à rien. Oh mais merde, c'est chiant. I can't reach it. Ah, ça c'est nouveau. Blech. This reminds me of something I saw in a nightmare once.
I'd rather not touch it. Qu'est-ce que tu peux faire avec? When you set sail for good value, all winds blow towards stands. Warning, contains strong magnet which may interfere with other navigational equipment. Looks almost as bad as it smells. Comment il peut le sentir d'aussi loin? C'est peut-être là, parce que là. Hein. C'est pas une sortie? Mais dis pas que je suis Kieblo. Ça c'est les yeux, on s'en fout. Non, ça c'est le début, on s'en fout aussi. Oh là là. On va ressortir, on va voir s'il n'y a pas un message qui nous dit quelque chose. Non mais c'est pas ça non plus que je voulais faire. Alors. Est-ce qu'il n'y a pas un indice ? L'air. C'est étrange. Là, non, là c'est juste des champignons. Parcours le truc hein. J'essaie de trouver quelque part où je peux cliquer quoi. Il veut toucher à rien. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Ça y est, il vire Darmanin? Moi, c'est le seul truc qui pourrait me rassurer. Ding. Couvre-feu. Attends, c'est-à-dire, on est toujours en confinement. Donc le confinement, il s'arrête pas au 1er décembre. Mais en plus, on a du couvre-feu à partir du 15 décembre. J'ai pas compris. Nasty.
nasty. Ah mais fais quelque chose, shoot dedans, je sais pas moi, pousse. I'd rather not touch it. Bah oui, tu veux pas y toucher, j'ai compris. Ouais. Ouvrir les têtes. Ouais, non. C'est ça. Donc, ok. Mais donc... ok. Donc, on reste confiné. Et il y a un couvre-feu que les déplacements pour motif promenade seront désormais permis dans un rayon de 20 km et pour 3 heures. Ah, ça, c'est pas... Par contre, c'est cool. Et le couvre-feu entre en application que dans... dans 3 semaines. Donc juste à temps pour nous niquer Noël en fait. Par contre on a toujours droit d'aller bosser, les gamins sont toujours à l'école. Parce que bon on sait que le principal foyer d'infection en ce moment c'est les gamins. Ah, on aura le droit d'aller choper le Covid pour Noël. Dis donc, mais c'est... que de la... tout est logique. Tout est logique, de la constance du début à la fin. Ah, attendez, il y a un chat qui s'en fout du confinement. Hop, voilà, un petit chat déconfiné. Coucou Melzekiel, comment vas-tu, ma chère? Hop. Alors, ça fait... J'ai commencé le stream il y a combien de temps? Il y a 28 minutes, ouais. Donc ça fait un quart d'heure que je suis dans la grotte, là, que je marche. Et que j'ai aucune idée de ce que je dois faire. Il y a des trucs dégueux, je peux marcher. This is horrible. I can't reach it. Hideous. Ah là là. Regardez, ça sent la sortie là. Là, je suis bien parti là. I can't reach it. Oh là là, mais quel enfer! En même temps, ça y ressemble drôlement. Mais non, là, y a rien. Salut cactus. Salut. Putain, ça y est, tout le monde se pointe après Macron, là. Mais merde. Mais non, mais... non. Hein? Là, mais casse ça, regarde. Là, ça ressemble à un trou. Casse ça avec... tiens, le... il y a trois... Ah, je l'avais pas vu. J'avais pas vu encore le boulet de canon. Il y a trois trous dedans. Ouais, c'est une boule de bowling, quoi. Alors, le coton-tige géant, oui, je l'ai eu la dernière fois, en fait. Je l'ai eu à la fin du dernier stream. Donc, je suis allé nettoyer les oreilles du singe. Et maintenant, je suis dans la grotte à pas savoir quoi foutre. It doesn't seem to open. When you set sail for good value, all winds blow towards stands. Warning, contains strong magnet which may interfere with other navigational equipment. Ça fait 12 fois que je fais ça. Utilise le coton-tige sur le truc là. Sur le nez, j'ai essayé. Dans les yeux. I'd rather not touch it. Il veut toucher à rien là, il m'énerve. Il m'énerve. Touche le gros nez. Horrid. Et là on a l'impression qu'il y a du jour mais on peut pas y aller.
C'est naze. Une tête de singe là, je n'en sais rien. It's called how to arm yourself in sea battle. Non. Mais m'a ramené au début. Il y a l'autre qui tire la langue là. Mais je vais demander un avis du public là, s'il vous plaît. Soit un avis du public, soit j'appuie sur H pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, parce que là je suis juste en train de tourner en rond, ça mène strictement à rien. Donc voilà, il doit me manquer un truc. Faut sûrement que je... Putain, me dis pas que c'est les mêmes trucs que la forêt du début. Je l'ai plus, la carte. I can't pick that up. Qu'est-ce que tu me fais? Mais non, mais tu regardes la regarde. De glandu. Attention, pirates of Melee. Your governor is alive and well and by my side as she was always meant to be. Oui, non, mais arrête. Ah, mais on fout. Je veux finir. Yours truly, Captain LeChuck. Bah oui, pour la forêt, oui, il me fallait la carte. Les mémos, surtout pas. Surtout pas. Faut pas que je clique sur les mémos. Hein. La brochure, le dépliant. It's called How to Get a Leg Up in Treasure Hunting. Non. It's called How to Get Ahead in Navigating. Non. Ok, il me faut quelque chose. Il me manque quelque chose. Voilà mon inventaire. Hop. Donc j'ai mes sous, j'ai le procès, j'ai les pastilles, j'ai le t-shirt, la carte de visite, la note, le t-shirt 100% coton, la graffe. Putain, il me manque quelque chose. Bon, maintenant faut que j'arrive à sortir. La blague. Allez, c'est par là. Non, c'est par là. Voilà. Vous avez vu? Vous avez vu, je savais par où il fallait ressortir. Ok, il me manque un truc. De toute façon, sur l'île, il n'y a pas grand monde. Hein. Il y a le vieux débile. Il y a le vieux débile, le singe. Les cannibales, je les ai pas revus. Salut Twinsen! Le singe. Made by Red Skull. Alors, là j'ai rien. Là j'ai la plage. J'ai la rivière, j'ai la mare. Il n'y a plus rien. On peut le pousser. Ick. Bon. Est-ce que je peux l'ouvrir? Non, pas la jungle. Ouvrir l'homme. Ick. Non. Ça va, le jeu.
Alors pas tout de suite Twinsen, on vient de me filer des on vient de me filer des un tuyau justement, là je sais qu'il me manque quelque chose. Donc je vais essayer de trouver qu'est-ce qui me manque. Et après, si vraiment je trouve pas, je redemanderai. Les indices, joue mieux. Sois moins con. Hi! I'm not bothered a bit by the fact that you waltzed right into my home without bothering to knock. I knocked. You must not have heard. You don't fool me, Sonny. Excuse me, I've got some pressing business to attend to. Yes, me too. I've got enough. Okay. Chaos out the box. Je pense qu'il y a, il y a un indice dans le fait que tu aies utilisé ce truc. La fissure. Ah, d'accord. Là, on a déjà tout fait. On va retourner chez les cornivales. Ok. Pas un truc là, la dernière fois? Non. Non, je crois pas. De ce côté-là, y'a rien. Bon. Les cannibales. Ah! Have you come back to let us repay you for your fine gift? Ah! Je vais leur refiler le truc? Non? Well, actually, there is something. Tell us, what is it? Je cherche quelqu'un, j'ai besoin d'un bateau, de l'argent, je veux un... Je cherche quelqu'un. I'm looking for somebody. Here? Hey, salut Otonoshi, merci pour le raid. We're the only people living on Monkey Island. Well, the only civilized people. Désolé, hein, j'arrive. Ok. Bonsoir, bonsoir, bah bonsoir à tous ceux qui arrivent. Ah bah merci Otonoshi, c'est super cool. Voilà, on est sur Monkey Island. Je suis bloqué. J'ai eu un petit des petites astuces là pour essayer de me guider parce que j'étais en train de tourner dans une grotte. Je n'arrivais à rien. Et voilà, on est là pour l'instant. Donc voilà. Tu étais sur quoi Otonoshi? Les gens que je cherche ne sont pas vivants. Ah, je cherche 30 types, 30 types morts et une femme. Nickel. Ah, du Isaac.
Wait, maybe he's talking about those dead. Ah, oh merde. Oh non. Those guys. Then you've seen the ghost pirate LeChuck and his cadaverous crew? Merci merci le groom pour le follow. Zooming around here in that creepy ghost ship of theirs, wailing and moaning until all hours of the morning. Scaring away all the cruise ship business? Normally, when we have problems with the undead, we just cook up our standard potion of exorcism and be done with it. Ah, okay. So why don't you do that now? Well, the main ingredient of the potion is a very rare root. In fact, there's only one in existence. We only use a little bit at a time, you see. But LeChuck stole the whole thing. Salaud. T'as rage quit. Ah ouais, t'étais sur quoi? T'étais sur un défi spécial ou t'étais juste sur une partie et finalement ça t'a saoulé, t'as arrêté? Where is he hiding? He's in a place beneath this island. Somewhere in a huge system of catacombs. A hellish place filled with the wailing of tortured souls trapped forever in the rock where the walls bleed and the air is thick with the rancid smell of pure evil. Tourists used to line up for hours to see. C'est vrai que ça ressemblait à une... Ah, The Lost. Ouais, je m'y suis pas encore attaqué à The Lost. Ok, d'accord. Et ouais, non, le The Lost pour l'instant, je l'ai débloqué. J'ai débloqué, j'avais une run craquée et j'avais Olivier Mantle dans la run. Donc j'ai réussi à finir des trocs avec lui. Mais là, j'ai pas recommencé de partie avec lui, quoi. Et j'ai débloqué The Forgotten là, dans ma dernière session. Donc la prochaine fois que je pense que je vais repartir sur du Forgotten. Qu'est-ce qui manque arrivé? Le département va fermer. Sounds neat. Can I see it? No, we lost the key. It was stolen. Well, we loaned it to a hermit who lives on the island. Oh, le vieux débile. Until that crusty old pantless weirdo brings it back, we're keeping his. Ah bah c'est le coton-tige. LeChuck came in here and stole your root? What a cad. And I suppose stealing bananas is any better. I'm off to find LeChuck and get the root. Sorry, but it's just not that easy. Trying to find LeChuck could be very dangerous. You'd never find your way through the catacombs without them. Hey, Ixnay on the end of the Avigator Nay. The what? Nothing. Nothing. Quelle tête de navigateur. Why are you guys talking in pig Latin? I see he is baffled by our native dialect. Good. We could at least tell him what the head does. Well, it's a navigating tool. It's a head. It was once attached to a navigator. We've kept it alive magically, so we could take advantage of its innate sense of direction. Getting through the catacombs without it is impossible. But it's our only one, so you can't have it. I guess we have nothing to offer you. After he gave us that nice idol, too. Feel free to come to the Great Monkey and visit your idol anytime. So, anyway, Lemonhead, what was that you were saying about tropical oils? Well... Ok. J'ai repassé mon run, j'avais pas du tout galéré avec The Lost. Donc ça m'a saoulé de galérer sur cette save. Ouais. Ça arrive. Il y a des trucs, ouais, où... C'est pareil, je me dis que mon ancienne save, il y a des trucs sur lesquels j'avais pas galéré autant, quoi. Mais en même temps, ça faisait longtemps que j'avais fait... J'ai eu un gros creux, en fait, donc là, bon, je reprends. Ah, que le... Hein? I think they're having a serious discussion. Bah oui.
Alors, a priori, il y a un navigateur quelque part. Why? It's empty. Enfin, il y a une tête de navigateur quelque part. Hein? C'est pas là, c'est pas là? I don't want to get any closer to that thing. It might be booby-trapped. Si j'utilise le coton-tige dessus. I don't want to get any closer to that thing. It might be booby-trapped. Les lianes. I don't think hanging myself is the answer. Non, évidemment. And to think, I almost ended up like that. No thanks. They've still got some meat on them. I think I can use the door now. Ouais, non, c'est clair que. See underneath the hut. C'est clair que ouais, non, c'est pas ce qui manque clairement les têtes. En même temps, les mecs sont des cannibales, donc. I can't move it. Donc bon. Nothing left but bad fruit. Je peux mettre quelque chose? Oh, we couldn't take that. You've already given us so much. Ah. Ah. Ah, the key to the great monkey. Thank you very much. Qu'est-ce que je peux leur filer? Raffeuse. Oh, we couldn't take that. You've already given us so much. I think they're having a serious discussion. Tiens, les t-shirts, ils vont kiffer les t-shirts, non? Oh, we couldn't take that. You've already given us so much. Ah, one of those newfangled magnetic compasses. Too high tech. Yeah, give me a good old-fashioned disembodied head any day. Merde, j'étais pas loin. Putain, les gars, je sais pas, vous voulez pas une carte de visite? Putain, vous briquez des stylos, non? Oh, we couldn't take that. You've already given us so much. Franchement, tu parles mal de leur village de vacances. Oui, non, oui, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est des gens très très accueillants. Mais. Non. Qu'est-ce qu'ils veulent? I think they're having a serious discussion. Yep, still empty. Why? It's empty. Why? It's empty. I can't see inside from here. Ah, mais si. But I'll bet it's empty. Warning. Objects in spyglass may be farther away than they appear. Nothing to look at here. Ah, non, bon, pas voir. Yep, still empty. Putain, y a un truc à faire, quoi. But I think it's pointing towards Melee Island.
Alors, les indigènes ne veulent pas me filer à la tête du navigateur. Ils ont repris le coton-tige. Ça, ouais. La boussole, ils en veulent pas. On va aller sur la plage, on va voir s'il n'y a pas un truc qui se déclenche. Comme ça, il n'y a pas la musique. Ah, attendez. Je crois que Rabia essaie de me dire qu'elle a un indice. Bon, Rabia n'avait pas d'indice. Elle avait juste envie de rentrer. Ah mais... I'm not sure, but I think it's pointing towards Melee Island. That doesn't seem to work. Mais... On peut pas combiner les trucs dans ce... en jeu, là. It doesn't seem to open. Ils sont bien difficiles pour des cannibales, hein. Ouais, non, c'est... je suis perdu, moi, dans le jeu. Peux-tu nous décrire les objets que tu as dans ton inventaire? Alors. J'ai des pièces. Un procès verbal. J'ai un petit chat qui s'incruste. Oui. Bah vas-y, frotte-toi contre le micro, c'est ok. Des pastilles à la menthe. Ah bon, Matou? Hein, un petit deux t-shirts. Mais t'es toute mouillée, toi. T'es de foutre où, toi? Pleut dehors ou... des livres, une boussole, de l'encre, des mémos, une pierre à feu, une longue vue, un boulet, un crâne et de la poudre à canon. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que le jeu m'a donné. Le contrat, les livres, on parle de quoi? Mais oui, j'ai tout lu. Regarde le tract. On peut pas voir plus, hein. Putain, on peut pas les ouvrir. It's called How to Get a Leg Up in Treasure Hunting. Bah non. Putain, faut leur filer les bouquins. Non. Vas-y, donne les bouquins. Oh, we couldn't take that. You've already given us so much. Okay. Ah. Well, look at this. It looks like instructions on how to get ahead. We could give him our head and use these instructions to get ourselves a new one. Yes, I suppose we can give you this now. Thanks. Oh. Looks pretty good for a dried up old head, doesn't it? We keep it wrapped in this magical necklace that makes it invisible to ghosts. Sympa. Oh, look! I think he likes you. Just follow his nose and he'll lead you to LeChuck's hideout in the catacombs. Then, get the root from LeChuck and come back here. We'll mix up a batch of our special enzymatic ghost dissolving solution. And you can pour it on LeChuck like salt on a slug. Yeah. Good luck. C'est dans quel jeu? En VO, to get ahead in navigating. To get ahead. D'accord.
Mark Urak, notre game de... Mais depuis quand faut lire dans les jeux? Depuis quand faut lire dans les jeux là? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Merde, je voulais dire un truc. Je sais plus. Bah, je voulais dire quelque chose. J'ai oublié. Oui, il y a un jeu comme ça que j'ai vu récemment où il y a un mec qui se trimballe une tête. Pas flippant du tout. Slimy and goopy. I don't need it here. No ghosts around. I think it wants me to go to the right. Okay. Ça a changé. Mais hein? Gratuitous and morbid. I can't put it on now. I've got the head whipped out. Il dit à droite, on va aller à droite. On verra bien si ça rechange. Ok, on y retourne. Ça dit quoi? Ça dit à gauche. Je pige rien même avec la tête.
putain, mais c'est parce que j'ai le... J'ai la saloperie de boussole. Non ? Non ? Oui, c'est une sorte de boussole, ouais. Mais mais le jeu. Pourquoi ? Pourquoi le jeu ? Pourquoi tu me fais ça ? Putain, j'en ai plus rien à branler. Il me fait aller à gauche, mais c'est pas possible. Y'a rien à gauche là. Qu'est-ce que tu veux aller à gauche? Y'a rien. Y'a rien. Mais putain, mais c'est quoi? Non, mais c'est pas possible. Ok, on va à droite. Continue à droite. Bon là c'est un peu plus clair. Ah bah. Super. Bon, j'ai pas trop compris hein. You can't have it. It's mine. Hein? Ah, d'accord. Ouais, bah c'était pas super clair quand même avec la tête. C'est bien la croisière s'amuse, hein, cette référence de vieux. Alors. You wouldn't happen to have a route I could borrow. Yikes. Pourquoi il met pas le collier? That's slimy and goopy. Il met pas le collier, ce débile. You can't have it. It's mine. You can't have it. It's mine. Yikes. Attention, attention, va falloir contenter ce petit enfoiré là. He already has it on. Mais non, il l'a pas. Mais j'en ai marre de ce jeu. Ouais. Prendre. That's slimy and goopy. Oui, j'ai compris, oui. Si j'utilise là de nouveau la tête. Ah. Ah, je peux la réutiliser. D'accord. Mais non, il l'a viré. Euh.
Yikes! C'est très logique, mais c'est pas ça. J'ai une tête. I think I better hang on to it. C'est très logique, mais c'est pas ça. C'est classé, hein, mais que c'était pas de reprendre la tête dans la main. Ouais, non, mais j'ai compris. J'ai compris que c'était. Enfin, ouais, c'est bien comme ça que je l'entendais. Est-ce que je peux pas utiliser la longue vue? Nothing to look at here. Ah, si, un joli bateau et tout. I'd rather pick on someone my own size. Il ne lit pas, il n'écoute pas non plus. Mais si, il me dit que c'est à lui. Ah! Oh! Okay, we're here. Now what do you want from me? Okay. May I please have that necklace? No. But thanks for asking so politely. Oh, come on, please. Ça va être chiant. You can beg all you want, but you can't have it. Ah, c'est con, il y avait pas les doublages du coup. Pretty, pretty please. Ah, ça va valider le truc. You can beg all you want, but you can't have it. Pretty please with sugar on top. Jusqu'où je peux aller. Oh, all right, you big baby. Putain, les connards. Oh là là. What's a necklace if you don't have shoulders? Fallait juste insister comme un gros relou. This feels weird. C'est bon, là, enfin, graphiquement, on le voit pas. J'ai les doigts qui puent le vinaigre blanc. Ah, regardez. Trop bien. Petit chien. Oula. Ah, regardez, une clé. Bah, what be that noise? You'd better fear. Bah, what be that noise? Bon. The ship sounds strange in these waters. The wind makes not such a creaking. Ok, lui, a priori, il nous a grillé. Va falloir l'amener vers l'extérieur. C'est des fantômes, mais ils entendent bien, hein. Bon, bah... Looks sound asleep. I can't pick that up. I can't get it away from him. Oh.
peut avoir. Qu'est-ce qu'il nous fait, ce con? Passage. J'ai vu passage. Ah non, c'est le truc là-bas. Oui. Bon, je vais déjà aller voir ce qu'il y a à côté. Ok. Le poulet fantôme. Narmol. All I got was a feather. On pense à observer tous les objets avec lesquels tu peux interagir. Il y a un poulet fantôme et il y a un deuxième poulet fantôme. I can't pick that up. Gross, look at the meat. Gross, look at the meat. I don't see anything special about it. Well, except that big glowing voodoo anteroom inside. I can't get inside it. It's nailed, chained, bolted, roped, glued, and welded together. Ça, ouais, ça devrait pas être mal. It's locked tight. Must be something important down there. It's a feather. Hop là! It's a bottle of ghost grog. Ça me dit pas à quoi ça va servir, mais. Le chien. Dommage. Coffre. Ah ah ah. It's got little wriggling blue hairs in it. Mais ça y est, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. It's got little wriggling blue hairs in it. OK. It's a bottle of ghost grog. Que je peux pas mettre du grog, comme ça ils vont penser qu'il a fait pipi au lit. Non, ça marche pas, merde. La clé, lui, il est là. Oui, 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 des poils de barbe. Évidemment. What else? Ouais. I better leave him alone.
La porte, ça va faire toujours le même bruit, j'imagine. Ouais. Lui. Hop. Je peux pas lui bourrer la gueule à lui. Non. Est-ce que je peux les... That doesn't seem to work. Ça dissout tout ça? Non bah non, ça marche pas. Est-ce que ça va dissoudre la porte? Non. Alors, j'ai une bouteille de grog, j'ai une plume, mais la plume elle m'a servi. J'ai des cochons qui s'empiffrent. Des cochons fantômes qui s'empiffrent. I think I'd rather save it. Non. C'est tout. I can't move it. Ouais. It's a bottle of ghost grog. Ok. J'ai le crâne, j'ai le boulet. Ah tiens, je vais la... Why not say anything special about it? Well, except that big glowing voodoo anti-root inside. Ok, donc la racine. Allez dedans. It's nailed, chained, bolted, roped, glued, and welded together. Elle est clouée, non. C'est juste pour la blague. Que j'ai une connerie quelque part. Passage là. Là j'ai rien. It looks sound asleep. Je peux pas interagir avec eux. What a drunken slob. Lui il dirait de bourrer. Alors. Je demande pas de le bouger. Comment se faire la main à la bataille navale et l'autre? C'est la grotte dans le fond. Il se réveille quand je m'approche. Hein? Ça m'a rien indiqué. Non, ça ne marche pas. It wouldn't be a good idea to take this off here. Okay.
porte, lit, coffre. Ah, et photo. Mais tant qu'il y a le Chuck, c'est mort quoi. Ah. Looks like Monkey Island. Looks like Monkey Island. Oui. Là, il y a deux croix. Il y a une première, c'est la tête de singe. C'est la clairière de la tête de singe. Et l'autre, par contre, je ne sais pas ce que c'est. I can't pick that up. Pas piquer des trucs. Attends, pour l'indice, laisse-moi encore deux secondes. It wouldn't be a good idea to take this ouais, off évidemment. Here. Si, je lui donne. Bah non, les cannibales ils sont un peu plus à gauche en fait. Tu vois, les cannibales c'est plus là en fait. Là, c'est vraiment sur la droite du. Après, peut-être que, mais. Peut-être que quoi, je sais pas. Là, je peux rien faire. Pendant qu'il gueule, je peux rien faire. Donc, c'est pas une question de timing, comme peut y avoir. C'est pas suivre le petit vieux, par exemple. Il n'y a pas de question de timing. Ah merde. It looks like that creepy guy I saw on the upper deck. Pas le trauma, mais j'ai mis du temps, quoi. Ouais, vas-y. Enfin, si quelqu'un a un indice qui me met sur la voie, mais tu peux pas le torturer avec la plume. Maintenant, on peut pas en fait. Le Chuck, on a rien. On a rien avec lui. On peut pas interagir avec lui. T'as regardé la clé? Oui. The wind makes not such a creaking. Strange places, strange noises. Non, regardez la clé. Fear for thy life, ye who enters. You'd better. Ah merde! Faut regarder de loin. The wind makes not such a creaking. Ça marchait, regardez. Nothing to look at here. Ah non, ça marche pas, non? Ah. Non, bah non, tu vois, ça donne pas d'indice. Je peux pas m'en approcher. En quoi est faite la clé? En grog. C'est une clé en grog. Non, je sais rien, moi. Ça doit être de l'os ou une connerie dans le genre, non? Non. Ben, voilà. Vu les petits sagouins que c'est. Putain, en elle est faite en pastimentos. Putain, c'est une clé. C'est une clé en pastimentos. Oh, merde. Pas de l'os. C'est en pastimentos vraiment ou pas? C'est la même couleur. Hein. On est sur la même couleur. Hein. Ok.
Quel est Pastimentos? Bon. I think I'd rather save it. Non. Ça c'est un indice ça. En quoi est faite la clé? C'est enfin une clé en métal. Ce serait vraiment une clé en métal toute conne, mais ça m'étonnerait quoi. Enfin, ça... voilà, une clé en général c'est fait en métal. Faut que je chante du métal. Faut que je chante du heavy metal, c'est ça? Et oh putain! Oh putain! Oh putain! Ah non mais voilà. Hop là! Oh merde! Et il y a des fois je me saoule parce que. Honnêtement, je pense que le... Coucou Bipi la Diva, comment ça va? Ça m'a fait plaisir de te voir. Je pense que la boussole, je l'ai utilisée sur la moitié des objets de du jeu. Et là, quand il y a un putain de truc en métal, je l'utilise pas, quoi. Parce que là j'ai essayé la boussole, j'ai essayé de la plaquer sur le distributeur à côté du marchand de... Du marchand de bateau, enfin, je l'ai essayé, mais à peu près. J'ai essayé de la coller sur le canon, la boussole. Quoi. Et là, il y a un putain de truc en métal, je l'utilise pas. Non, mais tout est ok. Ok. Y a un plat. I'm not gonna pick that up. Mais pourquoi pas? It's covered with rat slobber. That's the biggest ghost rat I've ever seen. On peut le prendre. I'm not going near that monster rat. Yikes! I hate rats. Ah, bah attends, regarde, regarde petit rat. Regarde. Viens boire. Viens boire petit rat. Allez. Oh, il a pas l'air en forme. Oh bon, il est pas en forme le petit rat. Hein. It's a vat of cooking grease. Les indices sont trop vagues. En forme de... Hein? En forme de quoi? Quoi? Attends, désolé. Désolé Bibi, hein. Désolé. It's all over my hands. Ah mais oui. Mais de la graisse. Je vais pouvoir graisser Il est pas en forme. Ah. Et là je vais pouvoir graisser les gonds de la porte avec de la graisse fantomatique. C'est évident. This should stop it from squeaking. Ah bah Lyon. Trop bien. Où? Tu es là. They're glowing ghost tools. Alors, il y a un garde. He's asleep. Oh, good, more inventory. Putain, j'ai quoi alors? Les outils. They're glowing ghost tools. Glowing ghost tools. Alors, est-ce que... I don't want to wake him up unless I have some of that anti-ghost potion to defend myself with. Là maintenant, j'ai les outils. Oh.
This should do it. Yes. I'll just grab this old root and be on my way. Pourquoi j'ai l'impression que ça va pas se passer comme ça? It's twisted and dried up and not very impressive looking. Pourquoi j'ai l'impression que je vais me faire avoir? Et je me casse? Ah non. On lui a tout piqué, on se barre quoi. A long walk, a brief row, and a short hike later. Oh, c'est cool. C'est cool, il nous ramène là. I got the root. Wow. Look, he's not kidding. Here it is. He's not such a wimp after all. Come on, let's go make the brew of the fermented root. Wait here. We'll be right back. Faites de la bière. Ah oui, je l'avais oublié lui. Ouais, non, franchement, les doublages sont cool. Hein. On va faire une petite pause de 1 minute. Je vais aller me chercher à boire. Mine de rien, lire et lire tout ça, ça m'assèche. Donc, voilà, je vais juste faire une petite pause d'une minute et je reviens. Tout de suite. Et hop, me revoilà. Vous avez vu, j'ai pas été trop long, j'espère. Hop, on reprend le jeu. Alors. C'est pas très sympa, tu me rapporterais beaucoup une fois empaillé. Bah cool. Oh, il est plutôt nice, mignon. There it is. One squirt of that stuff and the ectoplasm really hits the fan. And if you have any left over, it's delicious with a little vanilla ice cream. Good luck! Thanks. Finalement, ils sont très sympas, ces mecs. Hein. After some more furious paddling... Eep! You scared me half to death! What happened to the ship? Il s'est barré. They all left for the wedding. Ah. What wedding? LeChuck is marrying the governor of Melee Island. What? But how will they...
Comment ils vont? Bah, il va la tuer, non? Where's the wedding? There's a lovely church on Melee Island. They're headed there. Ah! Putain, Melee Island? Oh no. C'est con en fait, fallait juste attendre. Why are you still here? Ouais, pourquoi lui il s'est fait abandonner? My head fell into the lava there and I had to chase after it. And when I came back, they had gone. Putain. Shame too. I hate to miss the wedding. Quel gros naze. I've got to go after them. I've got to stop that wedding. Bye. Bob! What are you doing here? Oh, I missed the boat to the wedding. Hey! No problem! We can take mine! No. Let's go! Huh? Hey, you have a ship? Yep! If you have a ship, why are you waiting to be rescued? Why heck, if you're stranded, you've got to be rescued! Says so in the rules. How did you get in here without a head? I have a head! Je m'en doutais, j'ai vu la réponse arriver quoi, mais... Will you take me to Melee Island? Tu pourrais dire please quand même. I'll lend you my ship if you promise to rescue me with it. Putain. Oh le vieux. Oh mais il est complètement barré. Well, that certainly was easier than the trip to Monkey Island. I wonder where Toothrot's gone to now. I'll have to stop the wedding by myself. The church is the other way. Okay. Yikes. Hey! Wait a second! Wanna see a neat trick? Gosh, yes! I love magic tricks! Marche bien ça. Cool. The church is the other way. C'est que si tu détruis pas le bateau, d'accord. Bah ouais, mais je l'ai comme qui dirait bien fait couler. The church is in the other direction. Excuse me. Do you have an invitation to the wedding? I must have left it in my other pants. Bye now. Not so fast, buddy. You don't look very ghost-like to me. You're very pink. Putain, il y en a... Franchement, ils sont pas si cons que ça, hein. I suffer from a rare pigmentation efficiency syndrome. You don't sound much like a ghost either. Could you wail and moan or rattle some chains or something? Oh putain, les vieux clichés. My chains are at the cleaners being degreased. Well, okay. But where's that dank musty beyond the grave ghostly smell? Ça, ils doivent l'avoir, non? Oh, that. Just let me get my boots off. No, never mind. If you're really a ghost, prove it. Let's see you pop your head off. Ah. You mean the head on this root beer? This stuff's great. Watch out, LeChuck. There's a new sheriff in town and his name... Hey. I better get to the church. Oh, ils se dissipent vite, hein, quand même. Est-ce qu'ils sont là, les trois gars? Ah bah non, ils sont plus là. I've got to get to the church. Ok, je peux pas aller chez la Voodoo Girl, quoi.
Il est toujours 10h hein, par contre. Putain, il est 10h, ça n'a pas bougé. On a fait 15 fois le tour de l'île et tout, mais il est 10h. Should not be united in blissful matrimony. Let him speak now, or forever hold his peace. Finir par un mariage? Bah oui, c'est toujours sympa les mariages. Stop the wedding! Hey! Who's that? You! Je crois que j'ai rendez-vous chez le dentiste. Je t'en prie, ne me tue pas. Prends ça à vermine. Prends ça à espèce de vermine vaudou vitriolique. Tu te ne marieras pas avec le gouverneur. C'est pas le gouverneur. I've come to stop you from marrying Governor Marley. How do you plan to do that? Ah. Governor! Governor! Governor? What's going on? Huh? Guybrush, you mad fool! I'm impressed you came to rescue me, but it really wasn't necessary. I had everything well in hand. Unfortunately, your arrival has made it necessary for me to tip my hand early. How? Who? But... Putain, mais même lui, ça fait avoir. How? Who? If you're here, then who's that in the dress? Un singe? What? Oh, don't scare them! They have my ghost sapping root beer bottle! Oh, I'll get it! Oops. Ugh, nice going, Guybrush. Now I've got to chase them down to get my voodoo root beer back. But... I... Well... Hey! You dared come here and confront me? I can't believe your audacity! I had to stop you from marrying Governor Marley. I'll marry her yet. Haha! How do you plan to stop me? Je te fais une offre en échange de la mariée, bravo. Le poulet en caoutchouc, je crois que je l'ai plus. Ouais, je l'ai plus. Ma lance et mon casque magique. Je dois y aller, je suis garant en deuxième file. Ah ouais, non, mais en fait, ouais, non. Mais merde, ça a un nom, ça, en fait. Ça a un nom dans... merde, je me rappelle plus du truc. Mais c'est quand, quand dans un film, en fait, si... Si au départ le personnage principal ne fait rien, et ben en fait l'histoire se termine exactement pareil en fait. Il y a des exemples comme ça. Ah, putain, j'en ai pas qui me viennent en tête. Mais genre si le personnage principal n'agit pas au début, et ben toute l'intrigue en fait est. Ouais, il y a ça. Ouais, il y a ça. Exact. L'Arche perdue en fait partie de ces films en fait. Ou si. Si le personnage principal fait rien, bah voilà, l'intrigue est ok quoi. Alors qu'est-ce qu'on lui dit ? Je te fais une offre. Allez, il me reste des sous. Booty for me beauty, eh ? I grow tired of you. Say now. Let's not be hasty. Il m'a cassé la gueule, quoi. Ah ben oui, c'est utile, c'est ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Ça m'a rendu
ça m'a rendu plus courageux et tout. Ah bah enfin. Good to see you, son. How's the ship? If you're interested in trading up, I can give you a fair price for it. Howdy, partner. You know, just by looking at you, I can tell you're a man of the world. A man with an eye for quality. A man who knows a good bargain when he... Ah, merci. Merci. Ah merde. Les pièces, bah évidemment. Merde, 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 merde. Hop. Prendre. Hop, utiliser, vite. Vite. Ah merde, hein, quoi? Et pourquoi il y avait un rejouer instantanément? J'ai pas compris. Sneak up on me like that. Sorry. That's okay. You know, LeChuck was a deep, ah, d'accord, okay. Okay. Creepy, crawly sort of a guy, but I'll say one thing. Dis donc. Beau gosse les deux, hein. Very romantic. Can I buy you a root beer? Est-ce que je peux te payer une root beer? Ah oui, j'ai fait le F10 avant vous. Brah. Ah, j'aime bien leur design. En fait, ils font trop... Ils font pas assez cartoon à mon avis, là, tu vois. C'est... J'aime bien le côté cartoon, quoi. Alors, déjà, les coupes de cheveux canards, je pense que c'est très bien, déjà. Je pense que t'es tombé sur la mauvaise chaîne pour dire que les coupes canards, c'est pas ouf. Mais ouais, non, je sais pas, je trouve mignon comme ça. Alors, attention. Choisir la meilleure dernière réplique. Rien en fait, tu mets la pression. Root beer, tout ça, la pression. Humour. J'espère que vous l'avez celle-là. Hein. Actually, I'm a bit sick of root beer. While I was in the machine over at Stan's. Gosh, I hope Stan's okay. I wish my crew could have seen this. Jamal, I can't shake the feeling that Guybrush was somehow responsible for that big rock sinking the ship. Yeah. As soon as we find a way off this island, we're gonna have ourselves a little chat with Mr. Threepwood. Let's get out of this hut first. Yeah, at least I learned something from all this. What's that? Eh ben oui, on les revoit finalement. Tu vois. La pression, tu parles de barre. Oh là là, oh joli. Oh joli, joli. Attention. Comment faire face aux frustrations, déceptions, finissement bien?
C'est pas la taille du navire qui compte. Ne payez jamais plus de 100 francs pour un jeu. Allez, allez, le cynisme ambiant, on est en plein dedans en ce moment. Oh! Ah, dis donc, ça match les deux, hein? Ah, le chicken, the pull in the middle. Ah, y a une scène post-crédit comme dans les Avengers. Trop bien. Trop bien. Est-ce qu'il va y avoir Samuel L. Jackson avec un bandeau sur l'œil à la fin? Généralement, c'est ce qui se passe dans les scènes post-crédit. Ah, mais ces musiques, elles sont toutes dingues, quoi. Bon, est-ce que ça vous a plu, du coup? Ceux qui connaissaient le jeu et ceux qui aiment le jeu, je pense que oui. C'est plus ma performance, ma performance et ma manière de faire. Est-ce que ça vous a plu? Voilà, histoire de que je sache, parce que là je vais. Il est pas trop tard, donc je pense qu'on va enchaîner avec le 2. Sauf si évidemment c'est pas la fin, ça se trouve c'est une blague et il reste quelque chose. Mais le 2 est installé en plus, donc on va peut-être pouvoir commencer le 2. Il y a un fan qui fait des petits jeux gratuits en reprenant Monkey Island. Genre Monkey Island versus Retour vers le futur ou Ghostbuster. T'as fait Grim Fandango? J'ai pas fait Grim Fandango et j'en ai parlé. J'en ai parlé en live déjà. Je pense que je vais le faire. Parce que. En plus c'est con. Enfin c'est super con en fait, c'est des jeux que j'aurais pu faire à l'époque. Et que j'ai jamais fait en fait. Enfin. Donc maintenant c'est cool quoi, enfin je peux me perdre. En plus je les ai, hein, Grim Fandango, alors je l'ai sur Steam, je crois pas que je l'ai sur GOG. Je crois que je l'ai sur Steam, Grim Fandango. Donc c'est des trucs que j'ai depuis super longtemps en fait, et je l'ai jamais fait. Ce qui est super dommage. Là je me suis, enfin avec le 1 là, je me suis vraiment marré, hein. On va voir. Ah, Cactus aussi, est-ce que je peux te demander, que penses-tu, et Melzekiel aussi d'ailleurs, que pensez-vous de Monkey Island 4? Même si je pense savoir votre réponse, mais dis-moi. C'est quoi, ouais, donc Cactus, ouais, très bien, c'est intéressant de voir les gens le découvrir, ça permet de radoter tes anecdotes. Bah écoute, c'était pas... Alors pour moi c'était pas du radotage, et voilà, c'était plutôt cool que... Les trucs que t'as pu raconter, enfin j'ai trouvé ça intéressant et tout, ça donne... Ça donne du contexte au jeu, ça donne voilà, un petit peu de ce qui se passe autour, quoi, et je trouve ça chouette. Si je devais en conseiller qu'un, je te conseillerais Loom. Ça date de quand, Loom? C'est un truc récent ou... Parce que je connais pas du tout. Oh, les gens ils font plusieurs voix là. Ce budget quoi. Ouais, donc c'est Mouif, hein. C'est Mouif le 4, ok. Et Melzekiel préfère les Tales of Monkey Island à Monkey Island 4. Il y a eu un Tales of Monkey Island par le studio qui fait tous les machins trucs hop je l'ai pas, mais
Par contre, le 3 est très bien, mais il faut penser comme un univers alternatif. Le 2, tu vas aussi beaucoup rire. D'accord avec Melzekiel. Ok. The Dig et Dingo. The Dig et Dingo, The Dig et Dingo. Est-ce qu'on peut le dire 5 fois de suite très vite? The Dig et Dingo, The Dig et Dingo, The Dig et Dingo, The Dig et Dingo, The Dig et Dingo. Ouais, non, ça va. Ça va, on peut le dire. Je connais pas The Dig. Ah là là. Moi, la culture des jeux. Telltale, voilà. Telltale, ils ont fait des Sam & Max et une saison de Monkey. Il y a Melzekiel qui dit t'as pas fait Loom alors que t'es fan à Warpal, que t'es fan des Point & Click Scum. Je suis choqué. Elle est choquée et déçue. Ouais, je pensais à Telltale hein, quand j'ai dit les mecs qui font les trucs là. Les Sam & Max. Enfin, j'ai regardé le Sam & Max, l'original. Parce qu'a priori, il y en a un qui va sortir ou qui est sorti. Un truc récent. Enfin, ouais, un Sam & Max. Mais l'original sur GOG, il est à 5 balles. Donc je vais peut-être attendre. Je l'ai mis dans ma liste de souhaits et je pense que je vais attendre une petite promo. Pour me le faire aussi. Parce que ouais, les Sam & Max, du coup, il y en a qu'un. Ou c'est il n'y en a qu'un dispo sur GOG quoi. Eh bien c'est Dingo The Dig. Je l'ai pas fait depuis que j'étais petit The Loom. Enfin Loom. Ah donc Loom il est pas récent quoi. C'est un remaster des saisons de Sam & Max de Telltale qui va sortir. D'accord, ok. Et sur GOG en plus tout, mais bon, on peut pas faire tous les jeux, right? C'est pas faux. On pouvait faire tous les jeux quand à l'époque où on en achetait pas 50 par an. Ils sont plus ou moins la suite du Sam & Max des années 90. Donc il y en a bien qu'un seul Sam & Max à l'origine. Ok. Scum, c'est le moteur de Point and Click de LucasArts. Ouais, ça je sais. J'ai vu assez de vidéos de MEA pour savoir qu'est-ce que c'est Scum et c'est quoi l'histoire derrière. Mais du coup, ouais, non, j'ai dû poser la question avant que tu parles que c'était un jeu Scum. Donc, bon, Loom, c'est avant les Monkey Island. C'est pour ça que le Scum Bar, c'est un pirate avec un sticker Ask Me About Loom qui lui parle. Ok. Et Scum, ouais, c'est l'abréviation de Script Creation Utility for Maniac Mansion. Et tous les jeux LucasArts ont... enfin, bah, je vais pas dire tous... Mais ils ont une belle aura, les jeux LucasArts, en fait. Hein. C'est des jeux qui ont été appréciés et tout. C'était un bon studio. Hein. T'as la série des Jedi Knight aussi à l'époque qui était vachement bien. Qui avait essayé de changer un peu le FPS, en fait. Donc, c'était des bons jeux. Hein. Il n'y a pas eu que des point and click hein, chez LucasArts, évidemment. Alors, qui je connais là-dedans? Personne. Bisous. Oh, il remercie tous les fans. Évidemment, un super thanks to... A very, very special thanks to George Lucas. Donc il y avait Aaron Gilbert, évidemment. La libjpeg. Ah super, super, la libpng.
Attention, il y a tous les gens qui font du logiciel libre là qui vont débouler. Donc les Indiana Jones, ils ont quand même enchaîné niveau point and click par Maniac Mansion, Loom, Indie, Monkey Island 1 et 2, DOTT, donc Day of the Tentacle, Full Throttle et Grim Fandango, ouais. J'ai moins aimé les Indiana, Chadren's Enigme était trop perché. Ouais, les Jedi Knight, les Dark Forces, très bon. Ouais, non, il n'y a pas eu que du point and click hein, du coup. Mais non, c'était un studio qui sortait des jeux de qualité en fait, je pense. Mais bon, après, voilà. La loi du marché qui a fait que. Les préférés dans l'ordre, c'est Loom, Day of the Tentacle, Monkey Island 1 et 2. J'ai une petite préférence pour les deux. Ah ouais! Ah ouais, d'accord, donc Loom et. Ah ouais, d'accord. Parce que vu comment tu parles des Monkey Island en disant voilà, c'est une de tes séries de jeux préférés et tout. Je pensais pas qu'il y en avait au-dessus, mais effectivement, il y en a au-dessus. D'accord, Mel, Jekyll. Ouais, écoute. Et Twinsen, ouais, qui nous dit Sam et Max, point d'interrogation. Full Throttle, point d'interrogation. Toonstruck, point d'interrogation. Ah, Toonstruck, Ah, Will Return. Oh. Attends, mais Ezekiel, tu m'as fait attendre jusqu'à la fin, là. Juste pour un... attention, Guybrush va revenir. J'ai même pas une photo, j'ai même pas un truc, quoi. J'ai juste... il va revenir. Ah, j'ai touché à rien. Regardez, promis, j'avais les mains dans les poches. J'ai touché à rien. Ouais, Toonstruck, ouais, je l'ai déjà vu en stream. Je l'ai pas fait, mais je l'ai vu en stream. Il a l'air bien barré aussi. Hein. Mais Loom, du coup, c'est quoi l'histoire? Il y a un message, généralement, éteignez votre PC. Il va falloir que je regarde aussi si c'est des jeux qui sont streamables sur Twitch, parce que je sais que Twitch aime certains... Il y a certains point and click qu'il aime pas trop. Par exemple, je ne ferai pas les Larry's, parce que ils sont interdits. Ils sont interdits sur Twitch. As-tu la scène avec le parc d'attractions, Anthony? Antonio. En fait, il y a mon pseudo et je lis mon prénom. Est-ce que j'ai vu la scène avec le parc d'attractions? Bah non. Non. Ah non, bah non, t'as... Enfin, a priori, t'es là, donc... Enfin, mais... Je touche à rien. J'ai pas vu de scène avec un parc d'attractions. Il me manque une scène. C'est pas lié à quelque chose que j'aurais dû faire dans le jeu? Je refais pas le jeu pour une scène, hein, je vous avoue. Alors les Larry's, en fait c'est assez compliqué sur Twitch. Il y a un coup ils sont autorisés et un coup ils sont bannis. Donc c'est Ezekiel, c'est le chuté dans le 2. Ah. Et j'aurais oublié jusqu'à la fin du 2. Et du coup les Larry's en fait ils sont bannis de Twitch de temps en temps, puis après ils disent ok c'est bon, et après ils sont rebannis. Je crois que c'est Dame que j'avais vu. Dame avait commencé un Larry, je sais plus lequel, et ça va parce que bon, elle est assez connue et les admins de Twitch savaient que c'était pas fait exprès quoi. Donc ils sont venus la voir en lui disant on a supprimé ta VOD, enfin tes VOD sur le jeu et t'arrêtes de le streamer quoi. Et c'était il y a un an et demi. Donc voilà.
Moi, je m'y risquerai pas sur les Larry. Faudrait aller voir sur le... Il y a la liste hein, des jeux interdits sur Twitch. Faudrait aller regarder.